Voilà. Bah du coup, bienvenue hein, dans sûrement la dernière partie ou l'avant-dernière. Je sais pas si je vais mettre la vraie fin et la mauvaise fin ensemble. Mais c'est la fin du jeu. Donc, on efface ça. Merci. On copie celle-là au cas où. Ouais, je suis désolé de faire ça comme ça, mais je peux pas faire autrement avec le setup de mon PC, je suis obligé de faire ça. Désolé, tous les cas. Donc, tout est bon. On est au max. Peut-être un peu perdu. Du coup, voilà, j'ai gardé une magie noire pour faire la fausse fin et après je la prendrai pour la vraie fin. Juste en plus, ouais, non, je vais resave après cette vidéo, sinon ça va me saouler de me la me retaper. Désolé. Mon visage comme une sorte de trophée. De quoi? La flemme de me retaper la cinématique pour la vraie fin. Hop. Et donc on va à la fin. Ah non, oui, je vais vous montrer un petit trick. Un petit truc. Hein. Je sais pas si ça aurait marché encore. Enfin, merci le câble. Donc j'arrête de jouer sans regarder l'écran. Surtout que là c'est chiant, hein. Si vous ne lâchez plus, voilà. Vous allez vous faire enculer par tous les petits robots. C'est n'importe quoi, c'est la fête du slip. Ah merde. Ah bah il fallait dasher avec le monsieur, c'est mieux. Alors, je vais voir si je vais y arriver quand même, c'est pas gagné.
Petit bas, je crois que ce serait très très facile. C'est juste pour le délire. Ah, vous loupez pas, vous cassez les blocs. Et là, hop, on marche. Petite salle cachée du boss rush. Oh, les bâtards. Bon, je vais perdre de la vie, hein, c'est pour vous montrer, c'est juste. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Sauf si vous voulez un peu de mal, mais bon. Honnêtement. Je vais garder mes trucs de bulle. J'ai envie de les gâcher pour elle. Qu'est-ce qui a réussi à me toucher? Pourquoi t'as pas fait le pogo? Je crois que c'est fini, voilà, c'était juste le petit délire du petit boss rush, hein, si vous voulez. Vous savez où il est maintenant. Bon, ça m'a fait perdre un max de cœur, mais... Il y en a peut-être d'autres de cachés, j'avoue, je connais pas. Allez, entre. Avec cœur. Bon là c'est un peu chiant, j'espère que je vais pas me chier dessus. Hein. Voilà, ça commence. Petite phase de plateforme assez chiante. Enfin, que je trouve chiant, voilà, j'ai plus le timing. Faut bombarder. Parce que normalement ici, je fais pas comme ça devrait se faire. Normalement, je pense qu'il faut activer celui-là, mais moi, il saoule, donc l'active pas. Ne niquez pas vos boules, hein, surtout sinon là, vous pourrez pas remonter. Ah merde, c'était canon. J'ai déconné. C'est pas très dur quand vous connaissez. Honnêtement. Hop. Là, faut bien pas niquer le canon. Sinon, vous remontez plus. Hop. Canon. Gun. On bombarde. Et ça passe. J'active pas l'autre, c'est une douille le dernier, je crois. Absolument pas activé. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais comme ça. Je vais voir s'il y avait un cœur. Bon, nous aussi. C'est pas trop dur. C'est juste ça qui est un peu tricky. Faut avoir le bon timing précis. Faut vraiment le faire bon.
Et alors là, moi je fais la douille, vous allez en haut. Et vous esquivez le dernier truc. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le faire ou pas, mais moi c'est comme ça que je fais. Hop, du coup, normalement, c'est pour vérifier en fait. Ouais. Faudra que je resave pour la fosse. Enfin, pour la vraie fin, je veux dire. C'est ce que je voulais voir. Voilà, c'est un peu relou aussi. Faut connaître un petit peu au début, et une fois que vous connaissez, ça passe. Et là, faut surtout pas sauter. Là, pour first try, je suis assez fier. Parce que la première fois, c'est chiant. Bon, là aussi, c'est pas trop compliqué, c'est un peu relou. Surtout quand on s'applique pas. Le jeu, il est fini, là, bientôt. Voilà, c'est pas grand-chose. Comme vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Au début, on galère et en fait, à force, c'est pas très compliqué. Là, par contre, j'ai déconné, je crois. Je crois que je suis mort. Oh non, c'est bien passé. Faites gaffe que si vous faites le double saut, vous allez casser la rose. Il faut surtout pas les casser. Sinon, c'est mort. Ça va pas trop de fail. Je suis assez content. J'ai merdé là. J'arrive. Putain, c'est la finale de Street Fighter. Là, vous faites pas chier à farmer. Moi, la première fois, j'ai farmé, mais en fait, il y a les cœurs tout à côté. On sauvegarde, hein, bien sûr, parce que c'est la dernière save. Juste avant le boss. On est bien en item. C'est bon. On lui va le défoncer.
Montrons-lui quelques-uns de nos tours de magie, vu qu'il les veut. Bon, là, vous ne faites pas chier, hein. Vous mettez la mouse. Ouais, je ne sais pas si j'ai besoin de Google. Enfin, de la protection, pardon. Ouais, si, protection du bulle, hein. On s'en fout. Sans cette vague de fin. Alors là, je vais vous faire bourrer. Moi, je m'en fous, je vais voir. Et là, il y a la douille. Hein. Vous le mettez derrière son dos. Et c'est parti. On appuie le plus vite possible, hein, évidemment. Pour le pouvoir. Voilà. Et voilà, donc voilà la mauvaise fin. On n'a pas toute la magie noire. On n'a pas pu le tuer. Donc voilà, je vous laisse regarder. Moi, j'ai déjà vu. Et tout ça là sans la magie, évidemment. Tu n'as pas tort, hein. J'ai oublié de sauvegarder. Ah, je suis dégoûté. Bon, bah, on va devoir tous retaper, hein. Putain! Ou pas sûr, en fait. C'est pas vraiment sûr. J'ai peut-être une chance. Hop, hein, je vais accélérer, je vous laisse les petites images. On peut le prendre avec toutes les miches, tôt. Tous les cas, excellent jeu, hein. Excellent jeu. Il est pas dur, il est pute, c'est tout. Mais je le conseille vraiment. Bad Amp.
Et vous voyez qu'on redescend, hein. C'est pas super dur. 4h à 21h. 5h pour avoir les deux fins. Ah merde, ça a sauvegardé. Et donc, on fait la pause pour la VOD. Hein. Comme ça, il y aura les gens qui veulent voir que la vraie fin. Ils verront que la vraie fin. Bon, bah, à tout de suite.